Coucou à tous. Alors un petit all nose rapide, juste pour vous montrer les arrivages bon, que j'ai eu moi dans mon nose. Alors un arrivage de cette marque-là, Poétique Botanique. Je pense que c'est des produits qu'on trouve à la foire fouille, hein, il me semble. Hein. Alors là, il y avait tout un arrivage de Mackin Tape à 50 centimes les deux. Et bon, j'ai pris cela, mais il y avait plein d'autres modèles. Bon, Mackin Tape, j'en ai tellement que bon, j'ai juste pris cela que je n'avais pas. Ensuite, alors j'ai tout dépioté, donc j'ai des emballages vides, mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dans les emballages vides parce que je voulais voir. Alors là, pareil, c'est la même marque, Boutique Botanique. Voilà, cette marque-là. Là, c'est 79 centimes. C'est un petit cahier avec plein de bébêtes dessus, avec une couverture transparente. Et à l'intérieur, c'est des pages blanches. Alors, idéal pour faire des croquis, pour faire du dessin, ou pour se faire un bullet journal. Alors, il y avait aussi plein de bullet journal, mais bon, je n'en ai pas pris. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai pris 79 centimes. Alors, les pages sont quand même sont fines. Mais j'en ai pris un autre avec des pages plus épaisses. Alors, j'ai pris celui-ci aussi. La même marque, mais pas le même prix. Alors là, le prix, c'était... Bah, je ne sais plus. Ici. Je crois que c'est 79 centimes aussi. Alors, il est là, 79 centimes. Boutique Botanique. Là, j'aime beaucoup tout le contour qui est doré. Et pareil, enfin, bon après, bon, il faut aimer. Moi, je risque de le recouvrir et page blanche à l'intérieur bon, pour faire du dessin ou même pour faire de l'art journal. Impeccable. Après, on peut se refaire vraiment la couverture. Enfin, moi, ce que je vais faire, je vais me refaire la couverture. Mais bon, j'ai déjà les... Ça, c'est en prévision un peu plus tard parce que j'ai quand même pas mal d'art journal en cours. Il me faut quand même les finir. Ensuite, la même marque. J'ai trouvé ces petites pochettes. Alors, c'est des petites pochettes, pareil. 79 centimes ici. Hop. 79 centimes les trois. Alors, il y a cette couleur-là. C'est un peu assorti au Mackin Tape. Bleu-vert. Un peu couleur moutarde. Et celui-ci, rose avec des petites feuilles et toujours les petites bestioles. Ça peut toujours servir, ces petites pochettes. La même marque, des étiquettes. Botanique, Poétique, Botanique, 12 étiquettes autocollantes, 50 centimes. Bon, je vais enlever l'emballage pour que mieux vous les montrer. C'est assez sympa pour faire des belettes ou pour mettre dans un jeune journal aussi. C'est pas mal. Mais bon, j'en ai pris que j'aurais dû, je regrette, alors je vous l'ai dit, à 50 centimes, j'aurais dû m'en prendre deux ou trois de plus parce que ça sert toujours aux petites étiquettes. Alors, il y avait plein d'autres choses. Bon, je me suis limitée à ça. Ah oui, il y a celui-là. J'ai trouvé ça, mais c'est une petite boîte. Bon, je ne l'ai pas pris pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, il y a des petits stickers. Petites stickers. Alors, le papier est un peu marbré et enfin, la petite. Des bestioles. J'ai pris le plus de la boîte pour faire quelque chose pour faire je pense que ça la dimension des ATC c'est pour y glisser une ATC si, limite 6 4 hein, ouais, 6 6 là en largeur il va falloir peut-être un peu toute la boîte pour que ça passe en largeur mais bon je vais voir si je peux faire mon premier ATC avec cette petite boîte. Et cette petite boîte, 99 centimes. Bon, elle est mignonne. Elle est mignonne. Ensuite, il y avait... Bon, c'est tout pour cette marque-là. Il y avait un arrivage aussi de loisirs créatifs couture. Alors, il y avait des petites pochettes pour mettre à fabriquer, pour mettre le portable. Il y avait des petits doudous. Il y avait bon, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de modèles. Hein. Bon, j'ai pris celui-là pour la tablette, mais bon, moi je vais m'en servir pour le livre, hein, pour mettre le livre quand je lis, que je transporte, pour pas qu'il s'esquinte. Hein. Alors, allez, je l'ai déjà ouvert. À l'intérieur, il y a le petit patron. Voilà, en deux parties. Ensuite, il y a le petit nœud en satin. Il y a la petite étiquette Add Made. Et My Life, le petit bouton blanc,
Et ensuite, c'est emballé dans du papier de soie. Et j'aime beaucoup le tissu. Alors, il y a de la ouate, la fin de la du rembourrage. Il y a un bon morceau. Et ensuite, le tissu bleu turquoise avec des petits oiseaux et des petits feuillages. Il est vraiment très joli. Et après, c'est du gris, ouais, du gris uni. Et quand je l'aurai fait, je vous montrerai. Alors, pas sûr que je fasse la pochette. Hein. Enfin, je vous montrerai ce que j'aurai fait avec. Dans un proche avenir. Alors, 3,99€. Il y avait plusieurs modèles. Et ensuite, je vais vous montrer les blocs que j'ai trouvés. Là, il y avait un bac rempli de blocs comme ceci. Alors, 200 de grammage. Alors, c'est la marque Design Block. 14,8 × 21. Et il y avait plein de modèles. Hein. Il y avait 5 ou 6 modèles. J'en ai trouvé 2 qui me plaisaient. Là, je l'ai pris en double. Et celui-là, je n'ai pas trouvé. J'en ai trouvé qu'un. C'est dommage parce qu'il est vraiment joli. Alors, je vous montre celui-ci. Alors, vraiment, celui-là, il est vraiment très beau. Alors, il y a 4 papiers. Il y a 8 modèles et 4 de chaque. Il y a 32 pages. Hein. Voilà, pour le premier. Alors, il est vraiment magnifique, celui-là. Pour faire un album voyage. Hein. Il est vraiment trop joli. Celui-là aussi. Ensuite, celui-là. Avec des timbres. Différents pays. À poids, je vais le plus simple. Ensuite, celui avec les alphabets, très vintage. Celui-là avec des tampons de poste. Je regrette franchement de ne pas l'avoir pris, de ne pas avoir trouvé d'autres. Là, il y a Paris, la cathédrale, Notre-Dame et le Sacré-Cœur. C'est vraiment trop joli. Là, il est vraiment presque dommage de le couper. Je ne sais pas, en faire ouais, un album, une page d'album. C'est vraiment magnifique, ce papier. En plus, le grammage est quand même épais. Celui-là, les lignes avec derrière aussi des lignes d'écriture. 4 aussi. Voilà pour celui-là. Et ensuite, il y a celui-ci qui m'a plu. Bon, les autres, ils me plaisaient moins, donc je les ai essayés. Après, il y en avait, si, il y en avait de pas mal, mais bon, j'ai quand même pas mal de papier. Là, c'est un bleu, un joli bleu, avec des fleurs, des grosses fleurs. Celui-là aussi, il est très joli. Ensuite, il y avait les papillons. C'est vraiment beau aussi. J'en ai pris 2, j'ai réussi à en trouver 2. Un joli bleu aussi, le même bleu que celui-ci, avec des petites fleurs. Là, c'est un plat. Là, je suis moins fan. Mais bon. Vraiment, c'est super joli. C'est vraiment joli, ces papiers. Là, on dirait des fleurs séchées incrustées dans le papier. Avec l'écriture. Et voilà. Voilà. Et ensuite, il y avait à nouveau des bacs de plein de petits embellissements. Alors ça, c'est des attaches gris-gris, très, très épais, très lourd. Voilà, 99 centimes, il y en a 5, et je pense que c'est la marque qu'on trouve à la Foire Fouillant. Alors là, pareil, il y avait plein de trucs, bon, j'ai pas pris. J'ai pris que ça, parce que je me dis que ça, un jour, ça peut me dépanner pour faire pour mettre sur un album, pour faire un billet d'album. Ensuite, j'ai pris ces petits boutons. J'aimais bien la couleur un peu rose, vieux rose, avec les petits boutons violets. 45 centimes. Et après, j'ai pris des os en bois. Je me dis que pour mettre sur une ATC, avec des petits animaux, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. 59 centimes. Voilà ce que j'ai pris. Voilà, je voulais juste vous montrer les nouveaux arrivages qu'il y a eu dans mon os. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.